Hola, bienvenidos. Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour une recette hispanique de tapas salés, les patatas bravas. Espero que os guste. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 4 ou 5 grosses pommes de terre, salsa brava, d'aioli maison, un peu liquide, huile pour les frites et mayonnaise. Pour la mayonnaise, il vous faudra du vinaigre, sel, poivre, moutarde, jaune d'œuf, huile d'olive ou tournesol, d'herbes, épices et ail. Pour les ustensiles, vous aurez besoin d'une planche à découper, d'un couteau, d'une friteuse, de deux assiettes, d'une cuillère à présentation et un fouet. Prenez les pommes de terre, découpez-les en gros cubes, pendant ce temps branchez la friteuse. Mettez les pommes de terre dans la friteuse avec l'huile. Pendant que les pommes de terre cuisent, préparez la mayonnaise. Dans un bol, séparez le blanc du jaune. Versez une cuillère de vinaigre, puis mettez une pincée de sel. Ajoutez l'ail et les épices, ou les herbes. Mettez de la moutarde si vous le souhaitez. Ajoutez le jaune d'œuf. Fouettez. Ajoutez l'huile en petits filets, tout en fouettant énergiquement. Le mélange devient stable, car le jaune d'œuf contient un tensioactif qui relie l'eau et l'huile normalement non miscible. Sortez les patates de la friteuse. Vous les disposez dans une assiette creuse. Ajoutez la salsa brava chaude et aioli. Rajoutez dans une cuillère de présentation de la mayonnaise, puis placez des pics. Petite astuce de préparation pour rendre votre assiette plus gourmande. Ajoutez du paprika ou du basilic. Que aproveche. Et n'oubliez pas, la cuisine, c'est de la chimie. Hasta luego.